C'est pas fini, c'est pas fini. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Riddler. Il était top 50 légende il y a quelques jours. Très bon joueur, bien entendu. C'est moi le roi Rastakhan. Prosternez-vous devant le roi Rastakhan. Ça c'est quand même pas mal fort contre lui en vrai, mais je me dis, genre, vu que j'ai lui, peut-être essayer d'abuser et d'aller chercher un max d'élémentaires, n'est-ce pas? J'aime bien moi. Allez, go. Comme ça, ouais. Le vrai stream zéro défaite et sans lunettes. C'est vrai que pour l'instant, zéro défaite. Ouais. Oh, ok. Je sais pas si c'est si bien que ça, mais on va voir, on va essayer. Ça fait un moment que le deck tourne déjà. Bah oui, bien sûr. Bah moi j'ai fait une vidéo sur ce deck là il y a quelques mois. Hein. Pour être tout à fait franc avec vous, ouais j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques mois. Non, c'est chiant, ils ont tout le temps ça en main de départ. Y a pas une game où ils ont pas ça quoi. C'est bien ça. C'est bien parce que ça me fait une curve. En fait ça va coûter 6, ça va coûter 5, ça va coûter 7. C'est quand même pas mal. Mais pourquoi ils font tous la sortie parfaite? Mais c'est un truc de ouf, le meilleur tour 1 avec le meilleur tour 2. C'est incroyable. En vrai c'est pas cool ça. Oh, ok, il a pas eu le bon truc. Ça, c'est cool. Ça, pour le coup, faut bien admettre que c'est plutôt chouette. Si je trade pas. Comment ça se passe? Je pense que je trade tout de même. Ceci fait compagnon animal, Léoc. Après, il a le value trade, là, c'est chiant. On va voir. L'idéal, c'est qu'il l'ait pas, hein, bien entendu, mais. Oh. Ah, il joue secret, lol. Donne-moi un truc que je peux jouer. Oh, Arnaud. Attends, c'est dans le sens secret. Putain, mais c'est incroyable les sorties qu'ils font là. Putain. Oh, incroyable. Tu me dis s'il y a un truc que t'as pas, hein. Tu me dis s'il y a genre un truc qui est ton meilleur tour possible et que tu l'as pas, genre comme ça moi je suis au courant. Je suis obligé de me protéger avec ça, prochain tour je fais Grava pour le body. Et ensuite je fais ça, ensuite je me heal. Lolo, tu penses qu'il faudrait virer le murmurant et ajouter des orients de terre? Ça contre bien chasseur. Virer le murmurant. C'est quoi le murmurant? C'est la 2-2? Non, la 2-2 c'est Nimbus 2000. C'est quoi le murmurant? C'est le 1-1 qui double les cris de gaz, hein. Ok, là le deuxième. Bouclier divin. La face! Je vais vous assécher. Mais c'est incroyable! Mais en plus, c'est la lumière secrète! Bah j'aurais dû de 3 ses dégâts, je le redonne 3, mais j'enlève ça définitivement parce que genre c'est juste trop cheaté. Et il a encore une carte qu'il avait gardée en main de départ, j'imagine que c'est les loups vu qu'il a eu les deux secrets. Ah, l'appel du maître, oh, c'est génial ça. Faut avoir vidé ta main. Ok, je fais ça, ensuite je me heal. Y'a moyen de la gagner encore les gars, c'est pas fini. Putain. Si ce même m'avait pas fait la sortie parfaite, je l'aurais tellement massacré quoi. Pas de chance mais ça arrive hein. Ça arrive, ça arrive. Ça va tanker un peu, faut voir si ça tient, faut voir s'il a de l'antibet ou pas. Le taunt va te mettre bien. Ouais enfin vite fait hein, je suis à 9 et regarde son board, il a un hero power. Non non il met pas bien, c'est juste la meilleure sortie qu'il pouvait faire quoi. C'était juste la meilleure sortie qu'il pouvait faire. 1-3 tour 1, into 3-2, into secret pour m'empêcher de trade, into fucking frénésie féroce. Et derrière évidemment quand tu fais la frénésie féroce bah... Quoi de mieux que de pouvoir. Quoi de mieux quand tu fais une frenzy féroce que d'avoir un Master Scone dans la main, bien entendu. Quoi de mieux, parce que comme ça tu peux directement récupérer tes trucs. C'est vraiment la meilleure situation. 4, 5, 6, 7, 8, je suis mort là-dessus. Sur mon brasé là-dedans, je suis mort. Sur lui, lui qui me heal, je monte à 12. Il a. Ça passe à 12. Ça fait 16, 17, 18. Et moi je monte de 12, ça fait. Je suis à 19. Attends, si je me heal de 12 là. Attends, on va recompter correctement. Si je me heal de 12 ici, il fait très trade dedans. Il lui reste. Ça monte à 10, 12, 14, 18. Et moi je suis à 12 plus 7, 19. Je survie à 1 HP quoi.
Et encore, hein, j'avais un HP techniquement sur le board, mais je crois qu'il... Ouais, de toute façon... bon. Il a des secrets dans la main, donc les secrets, ils infligent pas de dégâts, mais... Après, je peux remonter lui et le rejouer. Ah bon, c'est bon, il a été à l'ox, hein. Ah. Non, dommage, hein. Dommage, dommage. Pas cool la sortie qu'il m'a fait pour le coup. C'est pas grave, mais c'est pas. Le karma, mon ami. Mais pourquoi le karma? J'ai rien fait de mal. À part la vieille que j'avais poussée tout à l'heure dans les escaliers. Bon, elle est pas morte. Tant bien juste de pas croiser des Taro hein, encore. Alors, si Jay, il me semblait que je le croisais, il jouait. Il jouait Radagonie, lui. On va voir. Devant le roi Rastakhan. C'est pas une main ça. Il me faut du flamme teint, il me faut un truc qui baisse tout. Ça c'est cool. Oh, double. Nice. Ça c'est cool ça pour le coup. Pas très intéressant de jouer là. Ok, champion du monde. Il joue un versant aggro aussi. Et que je vois pas quelqu'un dire que c'est un deck midrange. Le mec de tout à l'heure, il m'a mis à 10 HP tour 4, celui de juste avant. Il m'a littéralement mis à 10 HP tour 4 et j'étais mort tour 5. Si j'avais pas joué le taunt. J'étais mort tour 5. Ouais, c'est midrange, franchement. Non, c'est pas midrange. C'est aggro et c'est tout ce qu'il y a de plus agressif possible, quasiment. C'est nul ça. C'est pas la meilleure. T'as 1-1. Celui-là, c'est le moins bien de tous. C'est le seul qui sert à rien parce que j'ai pas de sort dans le deck. Pas beaucoup de réussite. Je vais juste aller allumer la machine à café, j'arrive. On a perdu? Ouais, on a perdu. Super, belle game. Ça fait plaisir. Il a mieux joué. Ah, j'en ai trop marre. J'avais pas particulièrement marre des Hunters. C'est hyper relou qu'il y ait absolument que ça. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui vraiment me saoule, c'est le fait qu'ils fassent tous des sorties de taré comme ça, quoi. Genre, cette carte-là et cette carte-là sont tellement juste déséquilibrées. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je suis mort là? 7, 8, 9, 10, 11. Je suis pas mort on board, mais je pense que j'ai perdu. Remplace le murmurant par un volcan. Mais non, mais ça sert à rien. C'est pas le problème, c'est pas parce que j'ai pas eu de volcan que j'étais déjà mort de toute façon. J'ai déjà un volcan dans le deck. J'étais déjà mort. Regarde. Qu'est-ce que ça change d'avoir volcan? Le problème, c'est pas le volcan. Là, clairement, c'est un problème de deck building. Quand vous avez envie de remplacer un volcan contre des decks qui vous tuent littéralement tour 5, systématiquement tour 5, t'es mort tour 5. Pourquoi tu rajouterais un volcan? Faut rajouter un truc qui tour 1, tour 2 va t'aider. Pas tour 5. Tour 5, c'est fini. Là, ils te font des sorties de toute façon où... Tu sais que t'as perdu! Tour 4, 5, t'as perdu, t'es mort. Y'a pas de. C'est pas une game qui va durer jusqu'au tour 10 où le volcan éventuellement il va faire des trucs. Non, t'es mort, tour 5, c'est terminé. Donc, tu te rajoutes à la rigueur un truc à 1 mana ou à 2 mana ou à 3 mana qui va te permettre d'essayer de pas mourir tour 5 contre le deck le plus agressif de l'histoire. C'est le volcan ne sert à rien. À la rigueur, un éclair, une tempête de foudre, un Orion de terre. Tu vois, Orion de terre, tu vois, ça c'est pas être intelligent. Non, non. Quand vous voulez deckbuilder, il faut vraiment vous dire qu'est-ce qui me pose problème et comment je draft contre. Comment j'améliore le match-up de ce qui me pose problème, tu vois. Et là, clairement, le problème, c'est que les Hunters, ils te tuent tour 5. Littéralement, deux games d'affilée. Donc, pour ça, bah, faut essayer d'améliorer pour le tour 5, quoi. Non, je vais voir, je vais réfléchir. Attendez, je vais acheter mon café.
On dirait que vous voulez absolument mettre. Mais je m'énerve pas, j'explique. On dirait que vous voulez absolument mettre des volcans dans le deck depuis tout à l'heure. À chaque fois, ouais, mais rajoute un volcan! Mais on s'en fout de volcan, c'est pas fort. Enfin, c'est pas fort. C'est pas ce dont on a besoin, on va dire. C'est très fort, volcan, c'est une très très bonne carte, mais c'est pas ce dont on a besoin. Ok? Oh, on est contre Radu. La dernière fois que je l'ai affronté, je l'ai battu, mais je sais plus ce qu'il jouait. Je sais plus si c'est contrôle ou aggro. Je crois que c'est contrôle. Je crois que c'est contrôle, mais j'arrive plus à me souvenir. J'arrive. Ok, c'est bon, j'ai mon café. Désolé si. Juste au port. Ouais. Putain, oh, c'est plaisir. Très chaud. Faut mettre les volcans parce que l'expérience montre que même si tu les pioches pas, ils te font gagner. Quelle sagesse. Quelle sagesse! J'entends, je sors juste jouer ma curve. Je sais pas encore si je joue contrôle aggro à ce stade. Vu que ça, il sait jouer dans les deux decks. Si je joue aggro, moi ça m'arrange. Hein. J'ai pas du tout envie d'affronter Jaina là. C'est le pire truc Jaina ça. Hein. Elle nous donne zéro info. Il nous donne fucking zéro info quoi. En vrai. Double face là. En vrai ça, hein, tu veux ça. Il a le truc qui tape la tempête là. Mais elle a plus de dégâts de ça. Mais j'ai un bouclier divin donc ça va. Moi je vais piécer lui sûrement. Coin ton LM. Lequel lui? Non, là, je préfère coiner ça. C'est beaucoup plus fort ça. On a pas eu de chance là, les deux hunters qui nous ont tué tour 4-5 là, c'est un peu nul. Perdu beaucoup d'en. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vu le deck qu'on joue, honnêtement, je suis très content du rang qu'on a déjà. Pourquoi le Hello Icon ne sont pas visibles sur la page un joueur? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis, ils nous ont pas mis. C'est des bâtards. Ok. C'est un peu relou ça. C'est un pire relou. Faire ça. Grava, ouais. Grava, c'est bien, non? Je pense que ça fait pas mal de value. Je pense que ça peut faire pas mal de value, Grava. J'aime bien, moi. On va faire comme ça. C'est juste ça, hein. Ok. Très agréable. J'espère qu'au prochain tour il va pas me jouer la Jaina, ce serait cocasse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Ensuite on va chercher un truc. Ou alors
Ou alors je fais ça. Je récupère un truc. Ça c'est bizarre. Brisons la glace. Fuyez créature de chair. Je m'éveille de nouveau. Ok. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je peux faire une game contre un fucking mage où ils ont pas ça tour 9 quoi. C'est ça, c'est sûr, je crois. Je fais ça d'abord. Bon, obéissez moi. C'est dommage que si elle avait pas eu Jaina, en vrai c'était gagnable, mais Jaina c'est trop fort. Jaina c'est trop fort contre moi, je pense. Elle est toujours T9 là, la garce de Jaina. C'est un truc de ouf. Ils ont tout le temps Jaina sur 9, sauf quoi c'est toi qui joues le deck. Après je suis un peu négatif à cause des sorties que m'ont fait les Hunter là, ils m'ont tué tous les deux tours 4-5. Donc forcément ça te met dans un mauvais mood quoi, où tu vois le mal partout. En vrai ça se trouve les trois dernières games il a pas eu Jaina du tout. Après il l'a eu juste là parce que c'est il est contre moi quoi. Bien entendu. Ça va, tu pêches pas bro. Tu pêches pas mec. Je t'ai pas autorisé moi à piocher. Qui t'a autorisé à piocher? Pas mal ça. Comme des insectes que l'on balaye. Ah ça balaye dur. Ça balaye dur. Est-ce que j'ai peur de flame strike? Sur pas grand chose ce coup, mais peut-être j'aurais dû trade lui ici. J'ai du mal à savoir. Parce que sinon il peut trade là et pinger lui à nouveau. Ah j'aurais peut-être dû envoyer lui là. J'aurais dû envoyer les deux, mais après lui il est gelé. Peut-être tu peux le battre à la fatigue. T'avais divisé ça comme game en vrai. C'est parce que tu as hard mulligan pour l'avoir, c'est très souvent ta win condition même contre aggro. Non mais évidemment. Évidemment que tu la gardes en main de départ. C'est parce que tu la gardes en main de départ que tu l'as systématiquement en main. Six, 10, 14. C'est un bon volcano ça. Jouer ça pour avoir la synergie élémentaire en chantant. En vrai lui, en vrai, bon, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais il y a peut-être moyen de le battre à la fatigue. Peut-être, c'est pour ça que je dis bien peut-être, parce que en vrai, je sais même pas quoi. Enfin, c'est pas mal ça, dis donc. Et dis donc, c'est pas dégueulasse ça. Voyons voir. Viens par là, toi. Viens par là, mec. C'est pas déconnant, ça. Je veux faire trade là, ça face, et ensuite je fais ça. Non, je fais trade là, ça. Et je laisse une 4-3 plutôt qu'une 5. Est-ce que je laisse une 5-2? Est-ce que je trade ça là, et je laisse une 4-3? Ou est-ce que je trade ça là, et je laisse une 5-2? Ça revient au même, en vrai. Ça revient au même. Parce que dans tous les cas, je vais tuer avec ça très probablement. C'est juste que lui, il va m'infliger un point de dégâts de plus. Donc autant prendre un point de dégâts de moins, non? Ça revient au même de laisser 5-2 ou 4-3. À moins qu'il puisse se soigner, mais... Là, là,
Lila, lilulina. Merde. Je vais me tromper. J'aurais peut-être dû jouer ça d'abord. Ouais, non. C'est pas grave, je vais faire ça et je vais le remonter, je pense. Ou alors je ferai ça, je verrai. Oh putain. Insupportable. T'es insupportable, mec. On te l'a déjà dit ça ou pas? Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais insupportable? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on te déteste tous? Ah, tu savais pas ça. Tu savais pas ça, mon pote. Eh ben maintenant tu sais. Eh ben maintenant tu le sais, mon pote. On fait ça. Non, non. Ok, on fait ça. Il peut se passer des trucs. Vous appartenez au marais maintenant. C'est souvent Flamestrike son tour quand même, c'est bon. C'est souvent Flamestrike Pink quand même. Je vais pas faire de. Je vais pas rejouer à lui. Lala, lila, lila, oulala. En fait, ça me fait chier si je maléfice lui, il faut que je le tue sur le même tour. Faut que je tue le truc, sinon il peut juste ping dedans. Ça m'arrange pas, quoi. En vrai, peut-être avec la Agatha, je peux créer suffisamment de value pour battre son DK, on va voir. C'est pas sûr, mais il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Ouais, c'est relou ça. C'est agressif ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air agressif. What? Urgh. Pas dans la tête, frère. Respecte-moi. Respecte-moi, fan. Zéro respect pour les aînés, quand même. Zéro respect, le monsieur. Je vais me soigner, ouais. Je me soigne et je gèle son truc là. Au prochain tour, je joue. Machin. Là je me soigne, comme ça j'aurai le cri de guerre sur Carniflore là. Volcano, nice. Brisons la glace. Brisons la glace. Je vais vous assécher. Je le fais parce que lui il va me donner des cartes et du coup j'aurai trop de cartes dans la main. Là il va générer un élémentaire de toute façon, mais après moi je vais faire Carniflore quoi. Faut voir si Carniflore il m'aide ou pas. Je suis pas encore surchargé. Non, dur à améliorer ça pour le coup, c'est vraiment un très très mauvais spell somme. Ok. Bon bah les potos, j'aime pas dire ça mais. Oh, ça aurait été tellement bien avec lui. J'aime pas dire ça, mais Corniflex, on va devoir compter sur toi. Ouh, attends, peut-être que j'ai 6, 12, 13, 14, 15. Maléfice Volcan, c'est bien, non? Oh boy, Maléfice Volcan, c'est pas mal, les gars. 6, 6, 12, 13, 14, 15. Yes! Yes, super ça. Ah, ça c'est top ça. Ça c'est le feu. Putain, mais ça arrête jamais. Arrête de développer! Oh, très énervé. Très très énervé. Que ça me soigne un peu pépouze. Là j'ai pas envie de piocher en fait. Je me dis genre je vais sûrement le battre à la fatigue. Oh wow. Voilà qui me laisse perplexe. Ça me fait chier de pas faire ça, mais. Ça me fait chier de pas avoir de synergie élémentaire là. Peut-être je pioche en vrai. Après, en fait, si je pioche, j'aimerais bien la copier quoi.
Après peut-être juste je lui donne ça, non? Est-ce que je lui donne ça? Ah, ça me brise le cœur de lui donner ça. On va juste la jouer la patience, je pense, non? On va juste jouer la patience, je pense. C'est vraiment un héros super stylé, Agatha. Ah, mais Agatha a fait le taf. Oh! Mamie! Pas bonne nouvelle, ça, pas bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Bon, bah, Corniflex, c'est à toi de jouer, bro. Débrouille-toi comme tu veux, mais là, on est un peu condamné, hein, pour être tout à fait franc avec toi. Corniflex, tu es notre seul espoir. Fais des trucs de ouf, fais des trucs de ouf. Fais des trucs de ouf. C'est pas un truc de ouf, ça? Oh! Là, on parle. Non! Mais de l'autre côté, t'es con ou quoi? Mais les trucs de ouf, t'as oublié les trucs de ouf? T'as oublié de faire les trucs de ouf? Mais non! Quoi? J'aurais peut-être dû jouer ça d'abord, non? Je crois. C'est chaud les poteaux. Il va jouer son Ragna, j'imagine. Après, il peut juste faire Flame Strike ou quoi. Il a déjà joué un Flame Strike. Il nous reste un Flame Strike et une Fureur de Dragon. Mais Fureur de Dragon, il peut pas le faire. Peut-être qu'il va faire Flame Strike là. S'il l'a. C'est une game très très dure, hein. Elle dure longtemps, mais elle est vraiment très dure. Mais non, le double crit de guerre sur Caniflor next turn, c'était ouf. Non, mais j'entends bien que c'était ouf, mais faut survivre jusqu'au prochain tour. Gros, il y a un Gnaro sur le board. Il va en avoir un deuxième. Je vais bien faire double crit de guerre sur Caniflor, mais bon. Comment tu. Enfin, si je survis pas, ça sert à rien. C'est ce que je veux dire ou pas? Pareil, ça me paraît être un plan un peu galère là. La la la, lilalou, là. On rappelle que Carniflore il relance le cri de guerre de Kalimos, donc il y a moyen peut-être de se soigner. Et j'ai encore un Kalimos là-dedans. Le Kalimos que j'ai eu, que j'ai joué, je l'ai eu sur. Je l'ai eu sur. Le sort à 2 qui donne un truc. Bah ouais, mais t'en as même un 1, il sert à rien anyway. Mais bien sûr que si, il sert. Il sert à tanker un truc, regarde, il a tanké un pouvoir héroïque. Sinon là, il aurait pu jouer genre une 1-1 et. Tu sais, la 1-1 qui double le truc là, et ensuite il tapait. Ailleurs, tu vois. Genre là, ça a tanké un truc, c'est déjà bien. Parce qu'il hésite à jouer sur notre Ragnaros. Fais-le, bro. Fais-le, bro. En tous les cas, ça va aller double face, donc. C'est à plaisir. Donc, quoi, t'as fait semblant de réfléchir. T'avais la meilleure carte dans la main et t'as fait semblant de réfléchir. Intéressant. Intéressant, n'est-ce pas? Pas mal. Ok. Faut que ça faudrait que ça tue lui en fait. Ah, je suis pas au bon endroit, ça on s'en fout de ça. Faut taper dans ces trucs là, dans face il va se heal dans tous les cas. Ok. Aïe aïe aïe. Dommage. Dommage, dommage. Il aurait pas eu Jaina sur 8, sur 9 il avait perdu.